Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu particulière dans laquelle on va voir 5 conseils pour réussir ses photos en pose lente, c'est-à-dire pour faire des photos originales avec un filet d'eau ou un filet de nuages, vous allez voir. Je fais cette vidéo parce qu'il faut que je teste du nouveau matériel envoyé par Manfrotto, donc un trépied dont les références seront dans la description de cette vidéo. Et également parce que j'ai reçu le livre d'un ami photographe, un ami blogueur photographe qui s'appelle Nicolas Cross, qui a écrit un très bon livre sur la pose lente, la pose longue. Et dans cette vidéo, je partage avec vous des concepts clés de son livre et surtout des conseils qui vont vous aider à progresser vous aussi sans même avoir à lire le livre, ce qui est quand même pas mal. Et pour ce faire, on est ici en Ariège, au bord d'un superbe lac, le lac de Montbel, pour ceux qui connaissent, c'est entre l'Ariège et l'Aude, et on va tout de suite commencer à faire les photos. Voilà, on est en place pour commencer les photos en pose lente. Donc, premier conseil pour réussir ces photos en pose longue, il faut du matériel adéquat. Donc là, ici, il faut un trépied. C'est juste la base, en fait. Alors après, dans le livre, Nicolas parle de filtres ND, neutre, etc. On va pas trop entrer dans le détail des filtres aujourd'hui. Dans cette vidéo, ça va être trop long, sinon. On va déjà parler du principal qui est le trépied. Il faut qu'il soit solide, il faut qu'il soit léger si vous voulez l'emporter un peu partout. Un truc important aussi, c'est de faire attention aux clips ici. Là, c'est assez intéressant parce que du coup, c'est un système très simple qu'a développé Manfrotto qui permet de déployer les pattes de votre trépied de façon très simple, tout simplement. Et ensuite, une rotule ici qui va vous permettre de tourner. Alors ça, c'est un trépied, c'est une rotule un peu caméra pour les caméras. C'est fait pour filmer parce que là on peut avoir des mouvements très très smooth, mais c'est très bien aussi pour la photo parce que ça permet de se placer très rapidement et d'être réactif quand on veut faire des images en pose longue. Le deuxième conseil pour réussir vos photos en pose longue et de manière générale de réussir vos photos de manière générale, c'est de prendre le temps de bien être prêt, de bien se préparer, de bien planifier sa séance photo. Donc ici par exemple, j'ai choisi un endroit que je connais, que j'ai déjà repéré, donc c'est toujours mieux d'avoir quelque chose que vous connaissez déjà pour faire vos images, et surtout de venir aux bonnes heures. Donc là il est 20h, le soleil est en train de se coucher, il est pas loin d'être couché, donc c'est le meilleur moment parce que c'est les meilleures couleurs, c'est ce qu'on appelle la golden hour. Donc pour ça, moi j'utilise une application mobile qui s'appelle Magic Hour, qui me dit à peu près, enfin même pas forcément à peu près, mais même de façon très précise, à quelle heure commence le coucher de soleil, à quelle heure il se termine, pareil pour le lever. Et ça me permet de venir au bon moment, au bon endroit, puisque j'ai bien repéré avant. Pour ça, vous pouvez aller voir sur Google Earth, vous êtes vous pouvez bien voir où se trouve votre spot, le spot que vous voulez faire, que vous voulez photographier. Et également, sur Google Images, vous avez des images, ou sur Flickr, vous pouvez voir à quoi ça ressemble en amont, avant de venir. L'autre conseil que je peux vous donner pour réussir vos photos en pose longue, c'est de faire attention à vos réglages. Alors, on va pas revoir comment fonctionne l'appareil photo dans cette vidéo, c'est trop long, mais il faut forcément être en mode manuel parce qu'il va falloir gérer essentiellement la vitesse, les ISO et l'ouverture. C'est un petit peu accessoire. En fait, les ISO et l'ouverture sont un peu accessoires, c'est à dire que l'ISO, vous allez forcément vous mettre à ISO minimum, ISO 100, ISO 50 si vous pouvez, puisque vous êtes sur un trépied. Ensuite, vous allez pouvoir mettre l'ouverture que vous souhaitez en fonction de votre sujet. Ici, j'ai envie d'avoir un maximum de profondeur de champ, un maximum d'éléments dans mon image. Donc je vais mettre une ouverture qui va être entre f9 et f16. Et du coup, c'est la vitesse qui va être clé dans ces réglages-là. Parce que du coup, si vous savez bien comment fonctionne un appareil photo, il va falloir réduire la vitesse d'obturation, le temps de pose, pour augmenter le temps de pose, pour pouvoir compenser sur ces deux paramètres. Et c'est là que le trépied entre en jeu. Et c'est là que vous allez avoir aussi cet effet de mouvement dans vos images, parce que vous allez vous mettre à des vitesses très basses. Et donc ici, je vais me mettre à des vitesses assez basses comme on voit sur cet exemple. Le quatrième conseil que je peux vous donner, c'est d'utiliser la fonction de l'appareil photo qui s'appelle le retardateur, qui permet de faire une photo avec un délai. Il y a pas mal de gens qui vous diront que pour faire de la photo en pose longue, il faut une télécommande pour déclencher, ou un déclencheur souple. C'est pas forcément vrai. Avec juste un appareil photo et cette option là, vous pouvez déjà simplement faire des photos. Pourquoi utiliser le retardateur ou pourquoi utiliser une télécommande? Tout simplement parce que si au moment où vous appuyez sur votre déclencheur, en fait il va se produire des vibrations, ce qui va apporter du flou dans votre image, et du coup la photo sera ratée ou pas réussie comme vous le souhaitez. Donc allez dans le menu, cherchez l'option retardateur, 2 secondes, ça suffit largement. Vous appuyez une fois, vous ne touchez à plus rien, et vous laissez l'appareil faire sa photo sans perturber autour
autour, même en marchant ici à côté autour du trépied, faites attention à pas trop marcher autour parce que ça peut créer des vibrations et donc faire apporter du flou dans votre image. Enfin, le dernier conseil, le cinquième conseil que j'aimerais partager avec vous dans cette vidéo aujourd'hui, il n'est pas dans le livre de Nico, où il n'est pas vraiment développé parce que ça dépasse un petit peu le cadre de la pose longue, mais ça va être de faire attention à son cadrage. Je vous le dis très régulièrement sur cette chaîne YouTube et sur les articles du blog Destination Reportage, ce qui donne de la force à votre image, c'est pas forcément qu'elle soit nette, floue, qu'elle soit bien exposée ou mal exposée, c'est surtout le fait qu'elle soit bien cadrée, que vous utilisiez les points de force, comme par ici sur mon cadrage ou sur ces exemples, et que vous placiez votre sujet qui a un intérêt dans un endroit clé de votre image. N'oubliez pas, votre photographie, c'est comme la peinture. Votre photographie, c'est comme une peinture, et il suffit de bien placer les choses au bon moment, au bon endroit, pour ensuite avoir une bonne photo, tout simplement. C'est la fin de cette vidéo, n'oubliez pas de la partager, de liker, commenter et à bientôt pour la prochaine.